Jean-Jacques Huet, je travaille à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux depuis 25 ans et je travaille au sein du service Sûreté Qualité, la filière indépendante de sûreté, chargée en fait de veiller au bon fonctionnement de nos installations en back-office par rapport aux équipes de conduite. On est chargé également de faire des audits sur les activités réalisées par nos prestataires et c'est ce dont je suis chargé en particulier. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le fait d'être le gardien un petit peu au niveau de la sécurité et de la sûreté dans le nucléaire, de rencontrer différentes personnes, aussi bien des collègues de travail que l'on va auditer ou des prestataires qui travaillent pour notre compte. Donc ça fait un travail relativement diversifié et avec des rencontres enrichissantes. Nicolas Sarkozy aujourd'hui est le candidat qui affiche clairement sa position vis-à-vis de la politique énergétique de la France, à savoir pour le maintien de la filière nucléaire pour un pourcentage relativement important. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je soutiens donc le candidat Nicolas Sarkozy pour sa position dans la filière énergétique. C'est celui qui a signé qui va se retrouver être le responsable, même si toute la chaîne de responsabilité, elle est au plus haut niveau.
parallèle énorme entre la crise financière et ce qui se passe dans le nucléaire, par exemple. C'est vraiment c'est très 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 parallèle et c'est ce qui m'inquiète. C'est vraiment des gens qui ont cherché à faire des bénéfices très rapides en sous-traitant les risques et en les diluant. On fait la même chose dans le nucléaire. C'est exactement le dans une industrie à risque, dangereuse. Donc il faut bien faire votre métier. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Et on leur donne de moins en moins les moyens de bien faire leur métier. Ben on se désinvestit. On dit, bon, allez, ras-le-bol, terminé. Moi, c'est fini, vivement la retraite, etc. On se désinvestit ou on choisit d'aller une vie, faire du foot, faire autre chose, et puis le boulot, ben, basta. Donc, on se désinvestit, ce qui est dangereux quand même, quand on bosse dans une industrie nucléaire. Ou on reporte les contraintes sur le sous-traitant. Après tout, c'est pas moi, c'est l'autre. Et puis, c'est l'autre qui va en chier, c'est pas moi. Ou alors, on est encore plus dans son métier, on veut tenir, et quand on ne peut pas tenir et qu'on veut tenir, ben, on pète les plombs. On pète les plombs. C'est ce qui arrive. Tremblement de terre de magnitude 9 survient au large des côtes nippones. Quelques dizaines de minutes plus tard, un gigantesque mur d'eau vient frapper toute la côte est. La vague meurtrière fait plus de 20 000 victimes. Aujourd'hui encore, 5 000 personnes sont toujours portées disparues. Mais le tsunami va aussi dévaster la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Voici l'instant fatidique. L'énorme vague frappe les bâtiments. Noyées, les turbines de refroidissement rendent l'âme. Les réacteurs entrent alors en fusion et provoquent des explosions. Le monde assiste au plus grave accident nucléaire depuis Tchernobyl. Un nuage radioactif s'échappe de la centrale et recouvre une grande partie du pays. L'énergie, train nucléaire de Saint-Laurent-les-Eaux. Récemment, ce consensus a été brisé dans des conditions scandaleuses. Je dis scandaleuses. Fukushima, pas un accident nucléaire. Pour jouer sur les peurs Fukushima, pas et pour casser le nucléaire français. Et le tout, mesdames et messieurs, au moment où l'énergie fossile reprenait le pétrole et le gaz, voit leur prix exploser. Est-ce que c'est vraiment le moment de casser la filière nucléaire française ? Nucléaire de Saint-Laurent. Pas un accident nucléaire.